Moi et ma femme sommes agriculteurs, donc nous exploitons là sur le secteur. Et donc nous sommes installés là dans cette maison depuis 7 ans maintenant. Et bien, on est 6 personnes à vivre dans la maison. On a une maison qui doit faire à peu près 120 mètres carrés habitables, hein, donc avec une partie rez-de-chaussée, une partie étage. Donc réparti sur deux niveaux et puis une orientation de la maison qui a été pensée au départ, donc qui est orientée plein sud. Donc là on a vraiment une orientation qui était optimum au départ. La construction a été prévue justement pour faire du chauffage passif par rapport au soleil, donc l'orientation plein sud avait été dès le départ souhaitée, quoi. C'est une maison qui est en chaux chanvre. Donc en fait les murs c'est du béton de chanvre, donc un mélange de chaux et de chanvre. Qui englobe une ossature bois. Donc en fait on a une construction où les murs font mur et isolation en même temps. Donc on est sur des systèmes de construction qui sont avec aucun pont thermique en fait. C'est ce qu'on a construit puisque c'est une maison qu'on a auto-construite en plus. Très vite on s'est posé la question de la production d'électricité. Dans tout ce qui nous était proposé, c'était plutôt des systèmes de revente. Donc installation de panneaux avec revente d'électricité. Donc c'était pas forcément quelque chose qui nous attirait réellement, quoi. On préférait en fait partir sur le principe de l'autoconsommation. Et donc c'est vrai que ces panneaux, en faisant quelques recherches, ces panneaux là sont arrivés devant mes yeux. Donc des panneaux qui nous permettaient de produire de l'eau chaude et produire l'électricité. Donc c'était un panneau qui me convenait plutôt bien en fait dans le principe. Donc suite à ça, j'ai demandé quelques informations. J'ai reçu de l'information de leur part, et puis j'ai été mis en contact avec un revendeur à ce moment-là, quoi, en fait. Donc là, c'est une société qui s'appelle donc Marion, hein, SARL Marion. Donc c'est une entreprise de plomberie, hein, chauffagiste, qui est installée sur Montaigu, donc la commune à côté. Hein, donc c'est du voisinage, en fait. Donc c'était aussi une caractéristique importante du choix. Donc une entreprise locale qui pouvait m'installer ces panneaux-là. Et donc comment ça s'est passé? Donc j'ai eu le contact de ces personnes-là qui m'ont contacté. On a eu un rendez-vous, il m'a présenté le système. Et puis à partir de là, ça nous a convenu. Donc on a opté pour une installation, quoi. L'installation s'est passée, ça a été très rapide parce que ils sont venus une première fois installer les panneaux. Après il y a toute la partie installation chauffe-eau, solaire, raccordement, donc en 2 jours, 3 jours, l'installation était faite, quoi. Sur le compteur on a une année de fonctionnement, quoi. Donc là on peut. Ça nous a permis de vraiment constater qu'est-ce qui était produit, qu'est-ce qui était revendu, qu'est-ce qu'on consommait, donc on a vraiment pu avoir des comparatifs. Donc là, sur une année d'utilisation, on arrive quasiment à l'autonomie, en fait, sur la consommation électrique. C'était un des premiers points quand même, ouais, important de l'installation. On fait en sorte de consommer le plus possible quand les panneaux produisent, et puis ce qui n'est pas consommé repart sur le réseau. Oui, je le recommanderais parce que c'est vraiment des panneaux. Enfin, voilà, on a vraiment cette production eau chaude, cette production électrique. On a vraiment une complémentarité sur les deux, une complémentarité. Donc c'est vrai qu'on a quelque chose qui est cohérent en fait dans le fonctionnement, quoi. Ça correspond vraiment donc à la philosophie qu'on avait sur la construction au départ, quoi.